tu fais ici? Tiens. T'es rendu camelot? Non, non, je passais dans le coin, je me suis dit, tiens, on va aller déjeuner avec ma fille. Qu'est-ce que tu faisais dans le coin? Ben, étant donné qu'on se voit pas souvent, pis t'es pas le genre à m'inviter à manger, je me suis dit que peut-être... T'as pas couché chez vous. C'est ça. Bien temps. Veux-tu un café? Ah ouais, là. Puis, comment ça plaît? Qui? Ben, la fille qui préférait coucher chez eux plutôt que chez vous. Vanessa. Vanessa. Ça sonne pas comme une fille qui est dans sa ménopause. Je sais. Quel âge? Elle est dans, dans la vieille vingtaine. Pas de ça avec des filles de mon âge. Quel âge que t'as? Hey, tu me décourages. Ça te tenterait pas de sortir là, avec une fille dans la quarantaine comme toi? Un jour, on m'a fini par l'avoir 60 ans, tu sais. Sais-tu ce qui risque de t'arriver un jour? Quoi? Il y a une fille dans la vingtaine qui va s'attacher puis tu seras plus capable de t'en débarrasser. Ça risque pas de m'arriver, j'ai pris mes précautions pour ça. Quoi? Tu lui as fait comprendre que t'étais pas un gars pour elle? Non, je me suis assuré qu'elle ait un chum. Parlant de chum, ton fendant roommate n'est pas ici? Premièrement, c'est pas un fendant. Puis deuxièmement, non, il est pas ici. Il a découché? Non, il est pas comme ça, lui. Non, il y avait un déjeuner avec quelqu'un. Qui? Son ex. Son ex? T'es pas jalouse? Mais pourquoi je serais jalouse? C'est pas un souper romantique, là. C'est un déjeuner, deux œufs bacon puis des petites patates. On sait jamais. Ça fait 5 ans qu'ils sont plus ensemble. Puis j'ai pas à me sentir menacée par elle, là. C'est une loser qui a à peine fini son secondaire 5. À ta place, je m'inquiéterais pareil. Regarde, pas, j'ai pas à m'inquiéter. De toute façon, elle a un chum. Ben justement, c'est là qu'elle devient intéressante. Ouais, ben parle pour toi. Allô, mon gros nounou? Allô, ma Vivi! Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ben, j'ai décidé de venir te voir, étant donné qu'on s'est pas vu depuis au moins 2 semaines. Je sais bien, Vivi. Qu'est-ce que tu veux? La business a jamais aussi bien roulé. Je suis débordé. Tant que ça? Ah oui, regarde. Lucie pour ses freins, Louise pour un débosselage, Françoise pour un changement d'huile. Ouais. Lucie, Louise, Françoise, as-tu pogné un contrat avec le cercle des fermières? On dirait, hein? Hey, Germain, j'espère que t'as pas décidé de faire de l'argent sur le dos des pauvres femmes naïves qui connaissent rien à mécanique. Oh non, Vivi! Je te jure! Non, non, c'est juste que... Je fais leur travail avec ferveur et dévouement, et elles semblent en redemander. D'ailleurs, je les soupçonne de se passer le mot à mon sujet. Quel mot? Ben que je suis un être charmant, dévoué et un tantinet espiègle. Oh, excuse. Oui, l'envoi mécanique générale? Louise! Oui, non, je sais. Non, écoute, m'a travaillé dessus toute la journée, puis toute la nuit, s'il le faut, mais ça va être prêt demain, je te garantis. OK, c'est ça. Bye, ma loulou. Loulou? Ouais, ouais, c'est ma meilleure cliente. Elle m'appelle Gégé, fait que moi, elle m'appelle Loulou. Quel genre de bonne cliente? Ben, le genre qui est venu 5 fois dans la dernière semaine. 5 fois? Oh, ouais, on a eu tellement de plaisir ensemble, là. Comment ça, ensemble? Veux-tu dire qu'elle est restée à te regarder travailler? Ben là, c'est parce qu'elle n'a pas de char pour retourner chez eux, tu sais. Mais là, 5 fois, c'est beaucoup. Il me semblait que tu faisais de la bonne job. Ben oui, mais c'était 5 affaires différentes, là. Les freins, les pneus, un problème électrique, un phare de brûlé, puis là, c'est la suspension. La suspension? Ben oui, ces chocs sont finis. Quand t'es tout seul dans le char, ça paraît pas. Mais quand t'es deux dedans puis tu soignes un peu, là, c'est évident. Comment tu sais ça? Ben, on l'a essayé ensemble. Puis, comment ça a été ce matin avec Jacinthe? Un peu bizarre. Ça faisait un bout de temps qu'on s'était vu. Elle a changé. Oui? Oui, elle a pris du poids. Ah, OK, rendu grosse. Non, non. Ça y va très bien. Ah. Mais c'est pas mon genre, là. Ah! Mélanie, j'ai vraiment trouvé ça cool la façon dont t'as réagi un matin. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, le fait que j'aille déjeuner avec Jacinthe, ça aurait pu te rendre jalouse. Moi, ça? Mais voyons donc.
Je suis une femme moderne, puis je te fais confiance. C'est pas parce que tu rencontres ton ex qui est devenu obèse que... Pas obèse. Juste que clive. Ben, anyway, là, ça me dérange pas que tu revoies ton ex. Même que, si tu veux l'inviter ici, là, mais ça va me faire plaisir de la rencontrer. Sérieux? Ben oui, je suis pas jalouse. Ben, je suis contente de t'entendre dire ça. Ça va être moins dur de te convaincre. Me convaincre de quoi? Ben, son chum vient de la laisser, puis elle se retrouve dans la rue. Ça fait que je l'ai invité à venir rester ici. Mélanie, je trouve ça vraiment le fun que t'aies accepté. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? Ben, je sais pas. C'est mon ex. T'aurais pu être jalouse. Moi, ça? Ben voyons, tu me connais mieux que ça. Puis, pourquoi je me sentirais menacée par elle, là? C'est ton ex. T'es vraiment génial. Mais combien de temps elle va rester? Ben, je sais pas, le temps qu'elle se retourne de bord et qu'elle se trouve une autre place où aller rester. Ben, j'espère que ça sera pas trop long, parce que c'est pas très confortable, hein, le divan. Le divan? Je pensais plus l'installer dans le bureau, après dormir sur le divan-lit. Ouais. Ben, ça y dérange pas de dormir sur un matelas de 2 pouces avec les ressorts qui rentrent dans le dos, là, pas de problème. Ben, c'est vrai, ça. On pourrait peut-être acheter un futon, t'sais. Ben là, on la reçoit déjà gratis, là, on se lancera pas des dépenses en plus. C'est un fait. En tout cas, j'ai assez hâte que tu la rencontres. Je suis certain que vous allez bien vous entendre. Bon, on verra. Hein? De la manière dont tu m'en as parlé, on est bien différentes. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, prends juste au niveau intellectuel, là. Elle a un secondaire 5, moi j'ai un bac. Ah non, 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 non! Elle vient de finir sa 2e année en psycho. En psycho? Mm-hmm. Elle avait des problèmes à régler dans sa tête. Non, c'est juste parce qu'elle aime ça. Puis elle m'a dit qu'après l'avoir laissé, ça lui a donné un choc. Puis elle a décidé de retourner aux études. Je te le dis, là, elle a vraiment changé. Elle est plus épanouie, plus rayonnante, et ben, plus... Ça va, j'ai compris, là. Mais c'est, elle était si tripante que ça, là. Comment ça se fait que son chum la sacrée là? Ça marchait plus, ça a l'air. Puis il faut dire qu'il était pas mal plus vieux qu'elle. Il avait quel âge? 20 ans de plus qu'elle. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. C'est juste que j'essaie de rejoindre Germain depuis 1 heure. Vous êtes toujours engagé. Ah, ben peut-être qu'il a pas payé son compte. Ou peut-être qu'il parle avec sa loulou. Qui ça, loulou? Oh, une fille là, qui tourne autour depuis quelques semaines. Oh non! Dis-moi pas qu'il y a une louve dans la bergerie. Mettons. Pauvre toi! Hey, Sylvie, il faut que tu mettes fin à ça tout de suite. Et je te parle par expérience. Tu veux dire que t'as déjà vécu ça avec Titlaine? Oh. Hey, oui, et même plus d'une fois. Ben là, raconte! Ben, la première fois, là, c'était une espèce d'énergumène qui l'appelait tous les jours au téléphone. Des appels obscènes? Non. Ben non, pire que ça, des appels obsessifs. Hey, chaque jour, il téléphonait puis il disait... Est-ce que la dame du foyer est là? Oh, mais ça devait être juste un sondeur là, qui voulait lui demander son opinion. Oui, oui. Ça, c'est ce qu'il prétendait être. Hein? Mais on a fini par découvrir que c'était un étudiant d'université. Qui ça, on? Ben moi puis la police. Bon, supposément qu'il faisait ça pour payer ses études, là. Mais moi, je le sais, dans le fond, qu'il en avait après la beauté de Titlaine. Ça devait être ça, oui. Non, mais ça, c'est pas tout, hein? Ensuite, il y a eu une espèce de prédateur qui l'a suivi jusque chez nous. Jean-Louis... Je te le dis, Sylvie, je te le dis. Il a même commencé à y envoyer des lettres personnalisées à notre adresse. Sérieux? Oui. Puis là, ben, il a fallu que je prenne les grands moyens. Alors, j'ai fait suivre Titlaine afin de trouver qui la suivait. T'as engagé un détective privé? Non, ça coûtait trop cher. J'ai demandé à ma voisine, Mme Giroux, de la suivre. Et puis? Ben, ça a pas été long, hein, qu'on a mis le grappin sur lui. Mais c'était qui? Le facteur. Salut, Pa. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je crouse sur Internet. J'ai trouvé un super site, agedor.com. Arrête donc. Non, mais t'avais peut-être raison. Peut-être que je devrais commencer à fréquenter des femmes de mon âge et passer mes soirées dans le continental. Regarde, je m'excuse pour ce que je t'ai dit ce matin.
Peu importe les filles avec qui tu sors, là, c'est pas de mes affaires. Pourtant, ce matin, tu semblais dire que je serais mieux de sortir avec des femmes ménopausées. Je sais, mais j'avais tort. Puis pour me faire pardonner, ben, j'aimerais ça t'inviter à souper. Au restaurant? Mais non, chez nous. Je pense que ça sera pas possible. Envoie donc. J'ai déjà quelque chose. Quoi? Un bingo des petites madames. Allô, Germain! Oh! Vivi, quelle surprise! Oh, des fleurs, mais mon Dieu, pour qui donc? C'est pour mon amant. Ben non, grand fou, c'est pour toi! En quel honneur? Hein, juste comme ça, là. Ben, juste pour te dire qu'à quel point je suis contente d'être la femme de ta vie. Ils sont bien belles, ils vont aller tellement bien avec mon autre bouquet. Ils sont belles, hein? Bien belles, bien belles, bien belles. C'est Loulou qui me les a offertes, sans doute pour me remercier de ma gentillesse et de mon dévouement. Vu la grosseur du bouquet, t'as dû te dévouer pas à peu près. Écoute donc, qu'est-ce que t'as bien pu y faire pour qu'elle tripe à ce point-là? J'ai pris soin de son derrière. Pardon? Ouais, j'ai remarqué que... Il y avait une fissure dans son coffre arrière. Et je le lui ai réparé gratuitement. Salut. Ah, salut. Tu dois être Jacinthe, c'est ça? Oui. Enchantée. Enchantée. Ben, Francis, tu peux aller mettre ça dans l'autre pièce. Tu veux dire dans la chambre d'amis? Mais c'est pas une chambre d'amis. Mais j'ai préparé le lit. Ah oui? Oui. C'est fin. Oui, j'ai mis des draps propres puis la couverte de laine. La couverte de laine qui pique? Oh, à pic. Ben oui. Ben, t'as juste à prendre mon sleeping bag de bord. Mélanie? Non, 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 c'est correct. Je vais prendre le sleeping bag. Après tout, je suis comme en camping ici, hein? Puis as-tu trouvé une place pour mettre ses vêtements? Oui. Dans ton walk-in? Dans le locker en bas. Ben là, ben sinon, elle a juste à utiliser la patère aussi, ça veut, là. T'aurais pu trouver une place dans ton garde-robe? Non, 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 ça va. La patère, c'est correct. Déjà que vous acceptiez de m'héberger, je voudrais pas ambitionner. Ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir. Merci. Ah, puis inquiétez-vous pas, hein, je vais rester le moins longtemps possible. Juste le temps de me trouver un autre endroit. Tu peux rester le temps que tu veux. Hein, Mélanie? C'est sûr. Ah! T'as préparé à souper? Ben oui, pour célébrer l'arrivée de Jacinthe. Mais c'est trop gentil. Ah, c'est la moindre des choses. Mais t'es vraiment cool. Pourquoi il y a 4 couverts? Ah, ben c'est parce que... Ben... Salut! Salut! En psychologie? Ouais. C'est impressionnant. Pas autant que de se retrouver devant le plus célèbre chroniqueur automobile du Québec. Pour l'instant. Ben, gros, là, t'en manges des croûtes avant de me prendre ma place, toi. C'est sûr. C'est sûr, toi, tu commences. Alors que Denis, lui, c'est une sommité dans son domaine. Ben, elle a raison. Ça doit être fascinant de voyager à travers le monde, de conduire des Ferrari, des Porsche. Au début, oui, mais on finit par s'habituer. Mm. Bon, y a-t-il quelqu'un qui veut un café? Je voudrais pas avoir l'air têteuse, mais est-ce que je pourrais avoir un autographe? Ben oui. Jacinthe, un café? Oui, oui. J'ai acheté un de vos guides l'an passé. Vous pourriez peut-être me le signer. Ben, avec plaisir. Un sucre à lait? Oui, oui. Il est dans ma chambre. Est-ce que vous venez? Ben là, tu pourrais y aller toi-même. C'est pas grave, je vais y aller. Veux-tu bien me dire à quoi tu joues? Mais je joue à rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris d'inviter ton père à souper? Tu savais bien qu'il allait essayer de croiser mon ex? Ben voyons, il croise pas, là. Il est juste gentil et dévoué envers une de ses femmes. Parce que tu penses que ça va en rester là? Francis, inquiète-toi pas. Mon père est bien trop vieux pour elle.
Elle têtait un biberon à l'âge où il têtait sa première bière. Arrête ça! Vivi, quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais, habillé chic? Eh bien, je m'apprêtais à sortir. Sortir? Tu m'as dit que tu avais du travail pour toute la soirée? Ha, ha! Eh bien, j'ai changé mes plans. Mais t'aurais pu m'appeler, on aurait pu faire quelque chose ce soir. Eh bien, disons que j'ai déjà autre chose. Quoi? Eh bien, Louise m'a invité à souper au restaurant. Puis t'as dit oui? Puis certainement. C'est tellement une bonne cliente. Elle est tellement gentille. Comment lui refuser? Germain, te rends-tu compte de ce qui se passe? Non, mais chat, tu vas me le dire, là. Cette guédaille-là est en train d'essayer de te séduire! Tu penses? Ben oui! Regarde ce qu'elle fait, là! Les fleurs! Puis les fleurs! Puis elle t'a donné un surnom! Tu vois bien que tout ce qu'elle veut, c'est te mettre le grappin dessus? Sylvie, calme-toi! Je crois que tu fais erreur. Louise et moi, nous ne sommes que des amis. Ouais, une amie qui t'invite à souper en tête à tête? Non, Sylvie, voyons donc, il n'y a rien entre elle puis moi. C'est vraiment pas mon genre de femme, tu sais. Oh, c'est quel genre de femme? J'arrive, ma loulou, mais avant, permettez-moi de vous présenter ma copine, Sylvie. Oh, c'est vous, ça? Oh, vous êtes tellement chanceuse d'avoir un homme comme Gigi. Oh. Enchantée, Madame Loulou. Merci de le souper, c'était bien fun. Ça m'a fait plaisir, Pat. Oui, très plaisir, mais toute bonne chose a une fin. Ça sent, t'es où? Ça doit être dans sa chambre. Je suis sûr que vous faites du salut. Je suis prête. Ça? Où est-ce que tu vas? Denis m'a invité à aller prendre un verre. Un verre? Un verre ou deux. As-tu besoin de la clé pour entrer? Tu m'as pas dit que tu travaillais à la maison demain? Oui. Ben, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de clé. Bye. Bye. Bye-bye. Il est parti avec. J'en reviens pas. Avoir su, je l'aurais jamais invité à souper. Salut. Salut. Es-tu tout seul? Ah oui. Nicolas est parti, ça fait à peu près une heure. Non. Non, je veux dire, t'es pas avec Jacinthe? Ah, elle... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes partis hier soir, vous aviez plutôt l'air de deux personnes qui allaient déjeuner ensemble ce matin. Disons qu'elle avait un problème qui faisait que ça pouvait pas fonctionner, elle puis moi. Quoi? Elle est célibataire. Et? Ben, et elle commençait déjà à s'attacher. Elle parlait qu'on prenne des vacances ensemble, elle parlait de venir s'installer chez nous. Écoute, si j'avais pas mis les points CI, là, on serait en train d'écrire nos faits-ports pour se marier. Mais t'aurais pu y laisser une chance, ça te plaisait pas? Elle a juste 27 ans, puis non, grâce. C'est réglé, c'est fini, on se verra plus. Donc, je comprends bien, il s'est rien passé hier soir. Je l'ai pas dit hier soir. Mais tu as dit quand? Ce matin. Pourquoi tu as pas dit hier soir? Ben, parce que... elle était quand même cute. Ouais, je me sens pas mal idiote d'avoir pensé que tu pouvais me tromper. Oh, Vivi, t'as pas à te sentir idiote. Moi, je vais le prendre comme une marque d'affection. Ah oui? Ouais, tu sais, ça veut dire que tu tiens à moi, puis ça, ça me touche beaucoup parce que ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie, tu sais. Combien de fois? Jamais. Mais tant mieux si tu le prends comme ça. Pour de ça, là, tu devrais être fier que mon charme de gars matché m'amène plus de clients. Pourquoi? Ben, si la business continue à bien aller,
Peut-être qu'on pourrait commencer à penser à emménager ensemble. Je pourrais t'aider avec les enfants. Oh, mon gros nounou, je t'adore! Moi aussi, Vivi. Puis laisse-moi te dire que je serai plus jamais jalouse, promis juré. Je te crois. Est-ce que t'aurais le goût qu'on fasse quelque chose ce soir, toi et moi? J'aimerais ça, mais j'ai bien du travail à faire. Une autre sexagénaire qui veut se faire faire un petit changement d'huile. Allô, Gigi? Allô, Jaja? J'ai quelque chose qui cloche dans le devant. M'en aller jouer là-dedans tout de suite, moi. Vivi, tu devras nous excuser.